Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde où l'imprévisible... Bien des dangers existent sur Arrakis. L'inconnu... Un extraordinaire secret a été préservé par les hommes de cette planète. Et l'incroyable se rejoignent. Je vois deux grandes maisons en conflit. Un monde où les royaumes sont bâtis sur une terre mouvante. Nous avons repéré un signe de fer dont la taille dépasse l'imagination. Où les cieux sont des traînées de feu. La prophétie qui purifiera l'univers et nous mènera hors des ténèbres. Un monde où un jeune guerrier est appelé pour libérer son peuple. Un monde qui recèle le plus grand trésor de la création. Celui qui est maître de l'épice et maître de l'univers. Et les plus grandes terreurs. Un monde où le puissant... Ceci est un génocide, l'anéantissement systématique et délibéré de toute vie sur Arrakis. Le démon. Ah, je le tuerai. Je t'aimerai à jamais. Et le magique. Hé, le dormeur s'est réveillé. Se livreront une ultime bataille. Longue vie aux combattants. Longue vie. Laisse aller à aucune pitié, aucune miséricorde. Empereur, tremblez devant nous. Dune, un voyage spectaculaire à travers les merveilles de l'espace et les mystères du temps. Des limites de l'incroyable. Aux frontières de l'impossible. Le chef-d'œuvre de Frank Herbert vient enfin d'être porté à l'écran. Dino De Laurentiis se présente Dune, un monde au-delà de votre univers, au-delà de votre imagination. Après Elephant Man, Dune, le nouveau film de David Lynch.